Oui, Grand Sertre, ouvrier agricole, entreprise de fac. Enfin, nous, notre Ucron, on a eu Ucron, et après il y a le service après-vente aussi. C'est tout pour ça, je pense qu'ils ont pris ça. Ah ouais, c'est réactif. Ouais. Réactif et bon, même par téléphone, ils nous aident bien. Donc. Largeur, ça prend 6 mètres de large. Après, on a un bec d'Iran, 850 chevaux. 850 chevaux. Mais après, bon, ça, l'avancement joue beaucoup avec l'état du sol, la structure de la plante. Quand c'est bien droit, ça va très bien. Bon, ben, la puissance moteur, on arrive toujours à en venir à bout. Là-dessus, c'est un moteur Mercedes. On fait bon, les deux avec le pick-up et le hélice-disque, on va faire peut-être 150 hectares, mais c'est aléatoire, hein, ça dépend un peu du temps. Ouais. Ça varie. Puis en maïs, il doit faire 400. C'est plus doux déjà, les becs Kron c'est plus doux, c'est moins frayeux aussi que je pense que du bec Quimper. Puis nous on a toujours eu le bec Kron. Une bonne alimentation et en bout de champ normalement ça ramasse toujours tout. Ça on fait ce qu'on veut après. Hein. Sinon oui, en moyenne ça fait du bon boulot. Ah, oui. La cabine c'est bien. Le temps qu'on n'a pas besoin de servir des essuie-glaces. Que les essuie-glaces intérieurs. Donc quand vous mettez les deux essuie-glaces, vous n'entendez plus que ça. Ah, ils sont pratiques les essuie-glaces de porte, mais ils sont bruyants. Et ventilation bruyante aussi. Visibilité, ça va. Il n'y a que le pare-brise arrière qu'ils ont fait en rond. C'est pas... On voit dans un angle, mais c'est... à l'entretien. C'est accessible mais bon, les anciennes ils étaient plus accessibles derrière là, au niveau du refroidissement. Ouais. Là ils ont changé le cône, avant le cône il était plutôt plat, maintenant il est triangulaire, on a du mal à passer. Ben, on est assez satisfait des machines pour l'utilisation, pour l'entretien et pour la récolte.